tricot avec l'étagère. Coucou les copines. Coucou les copines et les copains. Nous sommes de retour sur Metroid. Super Metroid. Hop. Ah bah cool, ça charge. On charge la carte de la zone. Ça va te permettre de mieux te repérer. Alors non, c'est pas la carte de la zone, c'est l'énergie que tu recharges avec ça. L'énergie. La vie. Le Pokémon. J'aime bien l'énergie. Alors, est-ce que tu peux sauter sur eux? Parce que eux, non, il faudrait le rayon réfrigérant. Donc, on est bloqué ici tant qu'on n'a pas le rayon réfrigérant. Tout à fait, Thierry. Attends, parce que là, du coup, ouais, là, fallait prendre de la vitesse. Oh là là, le pont, c'est trop bien. C'est pas un pont. C'est un spacer. Spacer. Elle est tellement vénère, Samus, canoniquement. Elle a pas le temps. Elle a vraiment pas le temps. Alors, ici, non. Non. Mais... Porte jaune. Ouais, ben on va tenter, hein. Je vois que ça... On va tenter les portes jaunes. Écoute. Moi, je me dis, t'as un truc, il t'est apparu jaune. Ça ouvre les portes jaunes. Ça ouvre les portes jaunes. Je suis quelqu'un de simple, j'ai joué à Doom. C'est vrai qu'il y a un petit côté de Doom. Écoute, l'arme jaune. Ça ouvre le truc jaune, ok. Ah, il y avait un truc sur lequel on pouvait aller à droite. Ah ouais? Je crois, ouais. Oh, tu peux te checker, hein. Bon, dans le pire des cas, c'est pas grave, ça mange pas de pain. Attends. Map. Parce que là, on est à Norfair. Yeah, Norfair. Come on, Norfair. Attends, on va remonter, tout comme non. Au cas où? Au cas où? On sait jamais, on a le temps. Oui, bon, oui. Je suis bonheur. Utilise des mini-bombes. Peut-être. Ah, il faut une bombe nucléaire. Merci le jeu. Nucléaire. Wow. Oh là. Eh ben c'est peut-être ici que tu vas pouvoir geler les gens. Sans doute. Alors. Ça glisse? Non, mais il faut prendre le truc de la bonne manière. Ah! T'as plus de bombes nucléaires! J'ai plus de bombes nucléaires! Elles partent décidément beaucoup trop facilement! Alors que faut-il faire? Faudra peut-être revenir plus tard. Ah non! C'est juste qu'il fallait toucher le bon endroit. Et là, il faut tuer les ennemis. Ou activer un truc. Ou faire un machin. Bah, faut retirer. Non. Attends. Quand tu sais pas quoi faire, mets bourre des bombes. Quand tu sais pas quoi faire, bourre les bombes. C'est ça que Samus doit vous apprendre. Putain, mais moi, cette arme, elle me fait rêver. De quoi? Le spacer. À ton avis, faut faire quoi? Faut bourrer les bombes. Ouais. J'aime bien ce jeu parce qu'il est bête, il est comme moi. Oui, il est pas si bête que ça. Tu fais quoi quand tu sais pas quoi faire? Tu mets des bombes. Bah là aussi, du coup, je suppose, quelque part. Peut-être pas, hein, peut-être que c'est juste un point de sauvegarde et que c'est ailleurs que tu dois aller. Il me paraît un peu excentré pour un point de sauvegarde. Là, tu mets des bombes. Là, tu bourres les bombes. Pourquoi il y a un cube ici Le mystère du cube. Bizarre, vous avez dit bizarre. Il va falloir à nouveau bourrer les bombes sur toute la ligne. Ah bah on va tenter, écoute. C'est amusant, ce cube que vous avez finement placé ici. Ils sont peut-être trompés. Ou alors c'est effectivement plus tard. Non mais ici, là, tu peux pas bourrer les cubes encore. Enfin là, ici, regarde là. Là déjà... Où ça? Tu bourres les bombes ici, là. Sur toute la... Tu vois? Bourrer les bombes. C'est toujours bourrer les bombes. Toujours. Attention, des pirates de l'espace! Mais moi je m'en fous, j'ai un phaser! Je peux charger mon phaser! Ça fait peur ça. Oh, on se croirait dans Mario. C'est pas un boss? Non. Non, c'est pas un boss. Si c'était... Je sais pas ce que c'était, mais maintenant c'est mort! Je sais pas ce que c'était, mais maintenant c'est mort! Sacré Samu! C'est décédé. Samu! Sans Amu! Samu sans Amu? Zamu. Ah! C'est la galaxie là, c'est ça? C'est les. Là, t'as fait le turbo con, hein? Ouais, là, j'ai fait le turbo con.
crois qu'il faut attendre qu'il y ait l'œil qui s'ouvre. Voilà. Je sais pas ce que c'était, mais maintenant c'est dans mort. Dans le doute, le nucléaire. Alors, ça me fait mal. Je pense qu'il y a un truc qui t'échappe là. Que? Ah, bonjour vous. Alors ça, c'est un boss. Ça, c'est un boss. Reconnaissable entre mille parce qu'il est très gros. Trade, trade. Putain, ils sont vénères quand même. T'es sûr que tu le touches là? À mon avis, faut tirer sur l'œil. Hein. L'œil, il est de couleurs différentes. Et des missiles. Ah oui, pas con. Il prend 5 écrans, Cred. Ouais, quand tu ouvres la bouche, un missile. Ouais. Wow. Putain, c'est ses doigts qu'il t'envoie? Oui. Faut attendre qu'il ouvre la bouche. Allez. Allez, on ouvre. Allez, on ouvre grand. Peut-être tirer sur les autres trucs. C'est très énervant. Attends. Ouh, oui. Attends, parce que il faut que je réfléchisse. Il faut que je... Oui, donc... J'ai compris ce qu'il fallait faire. Que faut-il faire, étagère? Donc, faut lui tirer dans la gueule pour que ses yeux changent de couleur, et c'est quand ses yeux changent de couleur qu'il est prêt à ouvrir la bouche. Ça demande quand même de sacrées manipulations, hein. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Et il a changé de couleur, ça veut dire qu'il est pas content. Ça veut dire qu'il va mourir. Oula, ça veut dire qu'il est pas content aussi. Ah là, ça veut dire qu'il est vraiment, il est pas content. Il est dans une... Regarde, il a des érections phalliques de la colère, ses pénis se détachent de lui. Ça t'arrive aussi, ça, non? Ah bah oui, bah toujours. Ton pénis qui se détache de toi, bah ça n'arrive pas qu'à moi, c'est bon. Hein. Vais-je mourir sur Cred? Non. Non. Visiblement pas. Moi j'aime bien parce que c'est nerveux un peu hein, comme boss. Ouais bah je te sentais un peu là, pas sur, à cran mais là sur la fin bah oui bah t'es focus quoi. Oui t'es stressé hein, mais c'est important. Ah bah voilà. Et bah voilà l'armure variable dans la lave. Dans la lave. C'est exactement ce qu'on dit. C'est tu connais le proverbe Varia dans la lave. Et c'est l'armure bah elle voilà. Est belle. La belle armure. Tu la connais. Oui bah oui. Elle est magnifique. T'aurais une autre armure après? Je sais plus, il me semble, oui. Pa, 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 j'ai pa, pas fait pa, pa, Super pa, Metroid. Pa, pa. Du coup, c'est vrai, j'avais oublié que t'avais pas fait Super Metroid. C'est toujours agréable de jouer à des bons jeux. Ah bah, toujours, oui. Aïe. Oui, aïe, oui, aïe, aïe. Oui. Nucléaire. Nucléaire. Mais du coup, oui. Y a des jeux de cette époque-là qui te tentent? J'en ai pas fait tant que ça en fait, hein, donc Je pense qu'on fera, les gros jeux Nintendo de cette époque. Ouais, on les fera. Je crois que t'as déjà tout ce qu'il faut en missile, en fait. C'est possible. Ça. Là, t'as rechargé ton énergie et puis t'avais déjà ce qu'il fallait en missile. Où c'est qu'on pourrait aller? Bah, y'a là cet endroit là. Ouais, bah, on va retourner là-bas. C'est des choses qui arrivent, un missile nucléaire perdu. C'est là, tu vois, Cred, c'est vraiment l'ennemi où ils se sont dit, tiens. On va tester pour voir si t'as bien compris comment ça fonctionne, le changement de projectile. Après, c'est là quand même que tu vois un petit peu les quelques limites de la manette SNES. Hein. C'est un peu chiant hein, de changer avec Select. Ouais, c'est avec Select. Nique les pirates de l'espace! Samus, elle est tellement vraiment surpuissante. C'est vraiment extrêmement bonheur. C'est gratifiant. Alors, il faut que tu tues les ennemis. Attends, moi je vérifie d'abord. Il était là. Oui, je sais qu'il était là, mais bon. Ah, les petits cons. Faut les tuer à la smart bomb. Faut les tuer à la smart bomb. Et là, donc, du coup, il y a d'autres bombes. Enfin, il y a probablement moi, des gens. J'aurais caché des choses ici. Je serais développeur de jeu, je cacherais des choses. Je cacherais des choses ici. Tire avec un missile, on sait jamais.
Oh, le nucléaire, non. Ouais, non, visiblement, ils ont rien caché. Si, si, il y a un truc caché, c'est indiqué sur la minimap, mais bon, on va peut-être pas le prendre. C'est pas grave, si on n'a pas tous les items dans le jeu, personne ne nous en voudra. Toi, peut-être que tu t'en voudras toi-même. Mais si je m'en veux à moi-même et si j'ai une aigreur à l'âme, je referai le jeu. Bon, écoute, c'était sympa cet endroit-là. Hop. Hop. Quand tu sais pas quoi faire, bourre les bombes. Nucléaire. Nickel. Donc maintenant tu peux décemment descendre. Oui, je peux décemment descendre. Ou aller à Crateria, je sais pas. Il y a des zones qu'on n'a pas faites. Il y a des zones qu'on n'a pas faites, hein, mais on peut les faire. Faisons-les. C'est juste que moi j'oublie si on n'a pas déjà essayé d'y aller ou pas entre temps. Bah c'est indiqué sur la minimap, donc ça va. Est-ce que de cette époque, genre en jeu mythique comme ça, il y en a qui te tentent? Bah je t'ai dit, j'en ai pas. Ouais, je sais que t'en as pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup, donc. C'est moi, je peux te parler de ceux que j'ai fait quand j'étais plus jeune, et encore, je les finissais pas parce que, bah, comme beaucoup, je me faisais avoir par le merchandising sur des jeux qui étaient beaucoup trop durs pour moi. Donc, je pourrais te parler de Tintin. J'ai beaucoup joué à Tintin au Tibet. Mais voilà, on sait tous les deux c'est quoi le problème de Tintin. On sait où ça nous mène. Ouais, non, ici, non, y'a rien. Hein. Ouais, je sais, mais je reprends. On n'aurait pas dû revenir ici parce que c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait le truc glace. Je suppose que le truc glace, celui-là, dans le feu. Ouais, j'imagine. Parce que oui, c'est comme ça que tu transformes ces ennemis-là en plateforme. Un petit détour. Ouais, donc il y a ça, il y a les Looney Tunes que je jouais aussi, mais pareil, un peu compliqué. Les Looney Tunes, lequel? Parce qu'il y en a plein des jeux Looney Tunes. Les jeunes Looney Tunes, là. Ouais, les Tiny Tunes. Les Tiny Tunes. Ouais, mais il y en a plein des jeux de Tiny Tunes. Bon, j'en sais rien, moi je le connaissais pas. J'ai pas rejoué depuis que j'avais 10 ans, donc. Tu regardais le dessin animé? Ouais. Il était vachement bien. Réalisé par Steven Spielberg. Ouais, je savais pas. Réalisé? Ouais. Ou produit, je sais plus. Mais faudrait aller voir. J'ai des grosses conneries parce que je suis pas concentré. Bah, là, je suis pas. Ouais, t'as pas le choix, il faut que tu descendes là. Ouais. T'as fait tout ce qui était possible de faire dans la zone et tu peux pas remonter. Hop! Bonheur! Joie dans nos cœurs! Ah, ça c'est des Animaniacs, c'est pas les Tiny Toons. C'est oui, c'est les Animaniacs. Non, les Tiny Toons c'est ta 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 ta. On s'amuse, on fait rire, la censure on la fait fuir. J'adore ce générique. J'adore ce dessin animé. C'est un moment de bonheur intense. Du coup, je préférais les Tiny Toons moi aux Looney Tunes. Voilà. C'est pas les mêmes enjeux. Je jouais à Super Mario All-Star aussi. Là, tu peux pas rien faire. On peut pas attraper le ledge, donc non. Pardon. Si, si, je peux faire des choses. Vas-y, explique-moi comment tu fais des choses avec ton corps. Oui. Oh, c'était beau, voilà. Évidemment. Si tu peux pas aller au-dessus, va en dessous. Hop. Hop. Là, tu t'es fait avoir par le design, t'as cru que c'était un mur, c'est ça? Oui, j'ai cru que c'était un mur. C'est pas grave. Là, c'est faut être en boule pour y aller. Vous croyez que j'ai peur? Un peu. Je suis Samus. Oh là là, le phaser. Le spazer. Samus, elle ne donne point dans... Dans la finesse. Dans la finesse. Elle donne dans la violence généralisée. Et banalisée. D'ailleurs, c'est pas sa planète. Elle peut tout niquer, si elle... Quand t'as été élevé par des... j'allais dire des hommes canards, mais non, pas du tout. Quand t'as été élevé par des hommes canards... Les Chozo ne ressemblent pas à des hommes canards. Des hommes oiseaux. Quand t'as été élevé par des hommes oiseaux, est-ce que tu as ce genre de revendication éthique? Je ne pense pas. Non, parce qu'après tout, ça viole quand même pas mal d'articles de la Convention de Genève que d'être un homme oiseau. Moitié homme, moitié oiseau. Non, c'est pas possible. Ça. Moitié homme, moitié oiseau, moitié crabe. Moitié ours, moitié homme, moitié porc. L'homme ours porc. Voilà, là tu vois, quand tu tombes dans la lave c'est pas open world. Ah bah... La tenue Varia fait des miracles, mais faut pas trop en demander non plus. Elle est pas magique, quoi. La lave, ça reste quand même très chaud. C'est chaud, la lave, vous savez. Au moins 1000 degrés. Moi, je l'utilise pour faire mon chili, c'est pour ça qu'il est si bon. C'est vrai. Quand tu sais pas quoi faire, bourre dans Metroid. Oh bah là, le jeu qui te donne raison, quoi. Oui. Étagérisé, voilà. Non mais c'est vraiment étagérisation the game, hein.
Non mais c'est vraiment ça. Tu sais ce qui est étagérise aussi? Les fins d'épisode. Bisous tout doux. Bisous tout doux.